président République, Jovenel Moïse, assurer le gain en plus bonne coordination entre différentes entités qu'il a pour établir bon climat dans le pays. Pendant un bon moment, Chita parlé avec le directeur général PNH, le président de la République l'a informé de différents besoins institutions, hein, et spécialement conditions de travail agent PNH. Nous parlons des affaires, conditions de travail policiers qui remplissent le problème. Moi, je connais que le premier ministre des démissionnaires là. Ils font gros efforts avec la direction générale de la police qui permet une quantité de motocyclettes qui ont rien, qui ont parlé de discipliner qui ont dehors. Et dans la relation avec Taïwan, nous parlons de ça, soit avec le véhicule que Taïwan, d'ici peut-être un mois, il paraît pour les policiers qui pour permettre que dans le niveau unité spécialisée, mobilité arrive plus parce que le temps de réaction. Véhicule qui pour venir, qui pour permettre que réaction au fait, déjà on parlait de ça avec moi qui dit que ça son bail extrêmement important, même le effort qui fait pendant les derniers jours, qui permet que les policiers gagnent certaines machines, motocyclettes qui permettent de bouger, mais en fait, nous travaillons pour que j'aime vous dire pour nous une police qui est capable de gagner, qui est en capacité le gain. Problème pour intervenir en temps réel. Nous parler d'entrer l'école là, nous connaissons ça des policiers, c'est presque 16 000. Presque 16 000, ça veut dire l'école va l'entrée, il y a pas un policier qui papa, il y a un policier qui maman. Ça veut dire nous parler de ça. Problème assurance qui est dans le niveau policier, c'est un problème grave. Si un policier a un problème, je dis à l'élu dans l'hôpital, moi-même, je ne pas connaître, je ne suis pas venu là, je ne connais pas. Le policier arrive dans l'hôpital, il faut se payer d'avance. C'est extrêmement grave. C'est des métiers de la patrie que nous avons fait, c'est des métiers ingrats. Comment, par exemple, le policier vient de blesser et puis le arrive dans l'hôpital, si nous n'avons pas de possible, nous n'avons pas bon soin. Nous parlons de ça avec des gens. C'est que le gouvernement qui vient, il peut avoir ça, comme des quick wins, ça veut dire des résultats rapides qui n'ont fait de route. Pas le premier ministre qui va venir, c'est ça qui va venir bien vite. Pour le résoudre, parce que j'en veux pas ça, c'est ça où il est en créole, c'est des bagages qui va attendre. Tout de suite après, Chita parlé ça, chef l'État a profité visiter base installation technique à communication PNH là, qui trouvait en dans même local là. Chef l'État a dit, là pas accompagné institution la police là, pour permettre yo à jour à nouvelles technologies information à communication yo qui important en pile dans lutte contre délinquance à criminalité. J'aimerais volonté manifeste ça que moi dans équipe ça moi ou bien pour nous faire technologie d'incita en danger sur position moi dit lui monsieur fier de nous monsieur je suis fier de vous comme tout ça que c'est ça monsieur Boya là moi impressionné pour moi que je dis technologie. C'est une police qui chita sous Yodi, son police qui chita l'audien, sous statistiques, son police qui chita sous technologie, son police qui chita sous mon image réelle. Monsieur a plein là de problèmes de capacité qui ont gagné maintenant Internet, parce que en fait, pays a un gros problème de quatrième génération, à troisième génération. Yo même souffrir de problème de quatrième génération. Mais important, nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, pour nous résoudre le problème de la quatrième génération, pour que le peuple garde bien comprendre qui est la quatrième génération, c'est que, et c'est là nous comptons dans un téléphone 2G, 3G, 4G. Avec dit, en Haïti, je dis, nous avons 3G. Nous testons 4G, mais l'État avec compagnie téléphonique, compagnie qui bat Internet, pour que les jeunes chita, pour y aller, mettre les pays sur 4G légalement. Et nous parlons de travail sur ça, pour que les pays aient 4G, parce que, moi, nécessité, par exemple, dans le travail qu'on fait dans le niveau policier, 4G a son nécessité pour eux parce que 4G a c'est ce qui peut nous permettre de la qualité internet qu'ils ont besoin pour faire travailler aux gens pour le faire. Désormais, c'est un vaste mouvement exécutif la lancé avec la police nationale là pour accompagner différentes unités dans le travail qu'ils ont fait souterrain. Et puis l'autre point qui a dominé l'actualité, hein, c'est nomination et un nouveau Premier ministre. Eh bien, en série consultation, président Jovenel Moïse a fait à différents secteurs qui
qui concernait le choix d'un nouveau premier ministre dans le pays a poursuivre. Dans le moment où il a visité le quartier général de la police nationale le mardi 31 juillet, chef d'État, bah, la population garantie non premier ministre choisi en public en volontant. On suit. Négociation n'est pas qu'à faire éternellement. C'est qu'il faut arriver et nous nous conjoncture qui est extrêmement difficile. Rentrer des classes, ça c'est demain matin. Et décembre, tout c'est demain matin. Ça veut dire nous viens rentrer des classes, nous viens fin d'année qui tout près. Et puis vous avez de gros décisions qui pour faire, qui pour faire que et stratégie avant le changement, qui c'est, il y a un plus gros espoir que le monde à travers le pays en matière d'infrastructure, même pas l'infrastructure, vous voulez parler. L'infrastructure routière, l'infrastructure agricole, bien dans le pays, pour le faire pour un gouvernement. Et c'est pour ça, consultation, je suis sorti là, je pensais que je vais réunir avec la fédération Kazekyo, je vais rencontrer avec la fédération magistrat hier, je vais rencontrer avec les paysans, une association paysan. Et moi, je crois que je dis d'ici semaine, ça, non pour les ministres, le peuple a connu parce que faut suspense a fini pour que le peuple a fourni non premier ministre pour que nous passions pour l'autre page pour aller dans les négociations avec le Parlement et pour nous aller dans la formation du gouvernement. Mais je ne connais nous mon premier ministre, c'est pour pas que j'aime passer. Parce que le premier ministre, il faut que son monde qui a acheté par là tout le monde, son monde qui l'a nommé. Il n'y a pas de groupe qui fait peur, il fait content. Il fait fâché, il fait content. Payant, on a un côté de nous, on a un cafou extrêmement difficile. Si tu as parlé à vivre ensemble, c'est la bonne nouée. C'est pour ça que nous travaillons pour nous mettre au monde, dans tête gouvernement qui sont monde, qui ne parle pas tout le monde, au monde qui pas fait un groupe peur, qui pas un groupe content, mais au monde qui fait là pour servir tout le monde. Nous avons toujours été dans le même sujet, ça, ensemble avec le président Chambre députée, Gary Baudot, qui réagit sous l'aide tout l'ouvrir, il a adressé le président Jovenel Moïse sous conjonctive politique pays. Député Gary Baudot félicité chef l'État pour ses consultations, l'y entamé à différents secteurs organisés dans le pays. Sous choix, yon lot premier ministre. Yon lot côté, président chambre député a dit, li souhaite, nan jou sa yo, président république lan Jovenel Moïse, annonce non premier ministre, li choisi a. Li tenan micro, Sainte-Croix Paki ak Moïse Wilbridge, en suivant bout. Ça fait pratiquement 3 semaines depuis que le président de la république est en train de faire des consultations, que n'a pas salué. Parce qu'il faut quand même encourager le dialogue et la concertation dans le contexte politique actuel. Donc, le président, pratiquement, il prend des initiatives pour rencontrer les secteurs vitaux de la vie nationale. C'est une bonne chose. Cependant, nous pensons, par rapport à la conjoncture actuelle, nous connaissons le 3 septembre, c'est la rentrée des classes. Donc, nous, on sait que ce passe dans le pays là. Moi, par exemple, les nerfs sont à fleur de peau. Nous pensons, fort de tout cela, le président de la République doit et finalement et pouvoir et jeter son dévolu sur une femme ou bien un garçon qui doit premier ministre dans le contexte-là, pourvu que Mounsa son monde qui respectait tous les critères constitutionnels. Donc nous-mêmes, c'est la raison pour laquelle nous faisons lettre ouverte au président de la République pour nous et pas ballon ultimatum. En plus, le monde pense que c'est ultimatum. Non, le président son partenaire lié. Peut-être qu'il y a une lecture parle de situation au niveau de la Chambre des députés qui sont l'autre pouvoir, nous avons l'autre lecture de situation, mais quand même, nous pensons qu'il était nécessaire pour le président dialoguer avec les secteurs vitaux de la vie nationale. Mais après 3 semaines, je pense que Haïtien ça ou bien Haïtienne ça, qui est supposé premier ministre, je pense qu'il faut que le président finisse par choisir pour qu'il ne commence par le gouvernement. Pour qu'on commence à poser des problèmes d'ordre structurel, parce que ce n'est ni le gouvernement, ni le premier ministre qui va changer la réalité à Kounia, mais ça va permettre que vous ayez des interfaces, ça va permettre que vous ayez des gens qui ont signé des contrats, peut-être avec les bailleurs de fonds de la communauté internationale, ou vous ayez des gens comme interface, je veux dire, qui a lancé un gros programme
assainissement dans le quartier populaire pour nous résoudre le problème humanitaire là. Et ça qui est important, c'est préparer l'entrée des classes là. Donc nous déjà dans le mois d'août, faut que l'entrée des classes là qui au 3 septembre et les préparer pour ce n'est pas un monde qui pire zéro, pour ce n'est pas un monde qui mieux placé dans la société à seulement qui capable de voir petit à l'école. Donc je pense que il y a des chantiers qui pressent et le gouvernement démissionnaire qui applique des affaires courantes. Conseil de problèmes n'est pas qu'à résoudre, n'est pas qu'à continuer avec le dialogue social là, parce que c'est un gouvernement qui n'inspire plus confiance. Donc nous pensons que le président de la République là, supposé choisir un premier ministre pour que ça nous alerte l'opinion publique, non pas parce que nous passons même longueur d'onde à président, non, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Cependant, et par rapport à la conjoncture, nous parlons pour aucun monde penser qu'il y a des négociations ou bien des tractations qu'a fait à l'interne, que ce soit bon côté député ou bien sénateur, pour empêcher que le président choisisse un premier ministre. Donc le président doit choisir, donc nous l'invitons à accélérer le processus en vue de choisir un premier ministre à même de mener la Banque nationale. Nous avons toujours été dans le sujet ça, ensemble avec sénateur Niplan, Francenet Denius, qui souhaitait président Jovenel Moïse choisir un chef gouvernement qui a capacité pour faire confiance retourner dans le temps peuple haïtien et puis permettre l'espoir bourgeonner dans le pays. Le sénateur a souhaité ministre Kapgen pour faire partie gouvernement ça, travaille bien pour pays capable de prendre route progrès et développement. On suit. Il y a deux bagailles et qui caractérisent la société, c'est méfiance et désespoir. Et nous avons un peuple qui pas gain confiance dans l'autorité, dans le monde qui a dirigé lui. Nous avons un peuple qui est désespéré, un peuple qui pensait que, eh bien, pas grand rien qui a fait pour lui. Maintenant, profil premier ministre, il faut que son monde qui est capable de faire confiance retourner et qui est capable de faire l'espoir jamais en un pays. Mais faire confiance retourner, faire l'espoir jamais, là nous rentrer dans la réalité, il faut que nous ayons une qui ait capacité technique et capacité politique pour lui. Et colter avec problème difficile qui est là. Parce que le premier problème pays, c'est un problème économique qui est lié. Donc maintenant, nous avons des problèmes économiques, nous avons besoin de faire des changements structurels pour nous capables de faire gagner l'économie en gagner relance, nous avons fait progrès avec le développement. Entre temps, nous avons un problème conjoncturel, tout qui est un problème grand goût qui est dans le pays. Donc il faut que nous agissions. À deux niveaux, l'un niveau et conjoncturel là qui s'est venu avec des programmes sociaux pour nous capables calmer, pour nous capables créer une détente. Entre temps, c'est lancer nous vers de véritables projets de développement. Et bien, faut que nous gagnions un premier ministre qui gagne capacité pour lui faire ça, mais pas seulement le premier ministre, mais faut que nous gagnions des ministres qui dans chaque ministère. Parce que pas oublier que le premier ministre est responsable de la coordination de différentes actions que le ministre lui-même a fait sous base et déclaration de politique générale, sous base feuille de route, sous ça l'a fait. Maintenant, il faut que nous gagnions des ministres qui gagnent le même profil, qui sont capables de rétablir confiance, qui sont capables de porter l'espoir, mais qui gagnent capacité tout, et bien pour lancer le pays véritablement sur la voie du progrès et du développement. Et puis, la Fédération nationale magistrat haïtien, FENAM, qui bail explication mardi 31 juillet sous rencontre l'été gagné avec président Jovenel Moïse dans date 30 juillet dans cadre consultation qui est en main pour choisir un nouveau premier ministre et former un autre gouvernement. Président FENAMLAN Jude Édouard Pierre proposé pour gagner un premier ministre rassemblé qui prend en considération revendication tout secteur non national là. Magistrat Jules-Édouard Pierre proposait tout, création d'un nouveau ministère qui prend en charge collectivité, dans l'idée pour faciliter et remplir fonction plus bien. En suivant bout dans l'explication, dans le micro, Louis-Nel Jean-Louis avec Michel José. Mes profils, nous pensons qu'à aider le pays à avancer dans le choix au premier ministre. Premièrement, c'est un premier ministre qui a une expérience dans l'État. Au moins, il y a une connaissance de l'administration publique là parce que là, on ne peut pas le diriger comme premier ministre, il n'y a pas qu'à inexpérimenté. C'est-à-dire qu'il faut que le monde ait une connaissance du milieu
et administratif public, faut que son monde qui que parti opposition yo, que parti politique yo est bien capable tendre qu'à discuter avec elle, parce que je dis à pas que personne monde qui a pensé qu'à diriger pays d'Haïti pour col. Donc c'est une obligation, hein, c'est une obligation que le président attendait, tu as choisi un premier ministre et bien qui est capable de discuter avec parti politique yo, avec opposition hein, qui c'est une force démocratique tout et qui est obligé de composer avec elle, parce que c'est pas seulement nous-mêmes qui aimons pays à opposition tout comme parti politique, comme si tu organisais gagner droit de regard sur la fête de pays. Tu parles à président, le premier ministre qui supposait une sensibilité assez significative sur la question de l'industrialisation. L'autre point qui nous souligne à l'attention président, c'est vraiment un point ça qui est censé point d'ancrage pour nous, c'est décomposition eh bien ministère intégré en deux ministères. Nous proposer et FENAM entendre continuer mener débat, agiter débat eh bien pendant tout reste mandat nous pour ministère intérieur décomposé en deux ministères. Nous dit président ça ouvertement que par rapport à Jean ministère intérieur a fonctionné pendant les dernières années là, par rapport à traitement qu'a bail sur collectivité, par rapport à importance ministère intérieur gagné comme ministère régalien pour l'état du gouvernement, nous proposer que il y a un ministère spécial qui est associé à l'industrialisation, à développement local. L'après le ministère des collectivités territoriales et du développement local, qui a en charge du pilotage de l'industrialisation en Haïti pour le compte du président, pour le compte du gouvernement, pour le compte des citoyens. Je dis à Guéméry qui n'a pas gagné côté pour magistrat ou fonctionner. Guéméry qui n'a pas gagné, eh bien, CAI, qui n'a pas gagné hôtel de ville, qui n'a pas gagné bureau. Gazette qui pas un bureau je dis à dans pays là, alors que alors nous on ne peut pas un management opérationnel qui fait de collectivité là. Trop questions politiques discutées dans environnement ministère intérieur ou question immigration sécurité intérieur, on pile bon sujet qui fait partie des prérogatives de l'État qui pas des prérogatives de collectivité yo. Donc on pas besoin d'associer collectivité à ministère intérieur je dis à, c'est accorder le privilège aux élus de la République, Kazek, Azek, délégué de ville et maire, bon ministère, totalement détaché de l'autre question qui occupait la question de l'industrialisation. Bon côté PAL, président association magistrale Latibonitio, France Ulysse, souhaitait président Chita discussion autour sous formation cabinet ministériel. Magistrat Saint-Macla mandé parlementaire yo pour yo pas impliqué dans choix ministre en suivre. Mais nous montrer nécessité aussi pour gagner deux ministres qui prêts pour collaborer, qui comprennent nécessité et obligation de résultat que exécutif la gagner et pour ces deux monde comme ça et ensuite limiter parlementaire yo dans désignation ministre, secrétaire d'État, directeur généraux en dans gouvernement. Là, le président lui montre nous, il est très sensible et une bagarre que lui dit nous dans tout secteur que l'a rencontré, toute discussion déroulée autour du choix du premier ministre, c'est pour la première fois que bon secteur qui montre nécessité que doit gagner arrangement qui est fait au niveau et gouvernement, parce que quand fin choix un ministre, il est en rébellion avec ministre premier ministre lui. Et il n'a pas fait suivi sur rien que soit président ou premier ministre a dit, alors que un coup de fil parlementaire seulement suffit pour faire lui bouger. Donc nous montrer que son handicap est lié. Faut dans le compte qu'il va gagner avec président Sénat et président Chambasla sous désignation premier ministre, lui arriver sensibiliser deux présidents Sayo pour y aller sensibiliser parlementaire pour qu'il y ait une certaine neutralité par rapport à choix ministre et permettre premier ministre là gagner libre et gain liberté et pour li capable faire choix moun li ka travailler avec yo pour ka bay résultat. N'a prêté sous même lancer ça mais avec parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille parasol notre lettre tout l'ouvrir lundi 30 juillet qui saluait président Jovenel Moïse pour façon la continuer mener consultation yo sous choix premier ministre là. Dans son sens, président parasol, Yvon Bonhomme, souhaitait chef l'État haïtien continuer travail pour respecter revendications population. Lieutenant Micro Midra Emilias et Edicineus en suivent. L'aide tout l'ouvrissa,
parti politique parasol dit président république là. Suivant principe bonne gouvernance, en gouvernant et gouverner, eh bien pour président, pour population haïtienne là, au courant de quel que soit monde qui prend le ministre, donc qui prend le premier ministre, ministre, directeur général et même administrateur d'administration publique là. Population fait pour au courant sous ces femmes qui est-ce qui marie ou qui est-ce qui petit tout côté à vivre et sous ces garçons qui est-ce qui madame ou qui est-ce qui petit tout côté à vivre. Population haïtienne a besoin explication pour qu'on qui est-ce qui a dirigé. L'autre information n'a porté pour nous dans le journal ça nous t'a dit dans grand titio commission économie et finances sénat république l'an organisé. Yon séance travail à gouverneur Banque Centrale Lan, Jean-Baden Dubois, sous budget rectificatif 2017-2018 là. Président Commission Économie et Finance Sénat, sénateur Jean-Rigo Bélisère, expliquait rencontre ça à Conseil BRH là, rentré dans quatre séries analyses cap faites sous budget 2017-2018 là. Sénateur Jean-Rigo Bélisère annoncé commission a gagné pour rencontrer forum économique secteur privé hein, sous budget. Sénateur Jean-Rigo Bélisère, tenant le micro Sainte-Croix-Paki avec Moïse Wilbridge. À partir du moment où nous rencontrons avec tout acteur, les gens ont gagné beaucoup plus d'informations au niveau des scénarios là. Lorsque nous prenons des décisions de vote pour nous connaître, nous voter en connaissance de cause. Et à chaque fois que la population a pour nous poser des questions, et bien ça, nous sommes capables en mesure pour nous répondre aux questions. Et on fasse tout pour que les montants qui alloués et ou les allocations budgétaires, pour que nous soyons capables bien connaître qui côté combien sorti et poste budgétaire pour nous connaître exactement raison fondamentale qui fait que tel poste ou bien tel ministère gagne beaucoup plus d'argent que tel autre, et bien ça permet bien beaucoup plus de transparence au niveau de redistribution richesse nationale. Donc nous avons une occasion tout pour nous poser problème taxes qui viennent dans le pays parce que nous connaissons et comme nous gagnons qui entre dans le budget en termes de recettes, c'est à partir des taxes. Généralement, nous avons que pas suffisamment de moyens pour nous financer ensemble de dépenses qui sont obligatoires pour payer. Pour nous faire investissement, et bien nous avons chita pour nous analyser tout ça avec le gouverneur de BRH pour nous donner information pâle, appréhension, compréhension des questions sérieuses et pour permettre l'ensemble des sénateurs qui ont beaucoup plus de lumière là où ils ont voté en façon pour que tout pâle en pile nous comptons les clients après le budget pour que les ça nous portent lumière pour la population, les budgets après nous voter pour qu'ils ne parviennent pas constituer un facteur de crise au niveau sociétal. C'est la même lumière à tout. Demain, si vous venez pour nous rencontrer avec Forum économique, nous venons pour nous rencontrer avec et association magistrat, association CASEC. Donc, bien que nous n'avons pas de budget rectificatif qui n'a pas un gros changement qui va venir là-dedans, budget vraiment qui va demander effectivement pour nous rencontrer avec tout le monde, c'est le budget 2018-2019 que le gouvernement va gagner pour déposer et nous connaissons pour le Premier ministre. C'est ça qui fait nous tout encourager le président de la République pour faire choix ça le plus rapidement possible pour que nous autres au niveau du Sénat et au niveau du Parlement en général pour que nous doter pays permettre moun toucher moun kap travay et ça kap gen augmentation des salaires pour yo gagnel en façon pour que nous mêmes au niveau Sénat pour que budget ça kap voter le plus rapidement possible. Kounye nou pral pale infrastructure pou nou di aménagement à construction route kap fèt nan commune Camperin facilité citoyen dans zone si la mené activité yo pi bien bénéficier yo remercier chef l'état qui fait infrastructure routière yon priorité nan cadre caravane changement. On suivi un reportage. Lévis, Martinière, Messan, La Porte, Bas-Camperin, ces différents quartiers sa yo qui bénéficient construction ak aménagement divers tronçons route nan cadre passage caravane changement nan grand sud la. Habitants zone sa yo sali engagement chef l'état qui croit développement réel là doit passer dans section communale yo ak nan ville provinciale tout. Habitants yo expliqué mauvaise situation yo té konn vive avant réalisation travail nan route yo. Poussière, la boule et la pluie tombée té konn la cause yo trapé yon série vie maladie.
Route sa yo qui fait, d'après bénéficiaires yo, améliorer condition la vie yo, permettre l'activité économique yo reprendre et puis bail campéren yon l'autre visage. Le zone n'a pas de quoi asphalter, il était très laid. Ça veut dire que pour ta sorti en bacan, pour le bananier la prise, ça veut dire que c'était un centre de poussière. Ça veut dire que dans un moment, pendant qu'on a parlé là, on a parlé là comme ça. Tellement de poussière bah, yo laid, donc pas de monde qui était capable de dire que je ne jodi un, on était capable de bénéficier ça. Et ça veut dire que je venais passer de haut niveau en haut niveau pour camper. Je suis bien content avec le président Jovenel Moïse qui a donné nos services. Ça, c'est... On a souffert en pile. Depuis longtemps, on a camper. Depuis 6 mois, on a le jour. Je m'appelais même dans le dit, on a camper pour que je me fasse. Mais je dis, on dit bon Dieu, merci en pile. Et bon Dieu, a toujours protégé mes dans tout le travail à faire. Parce que les gens ont camper. Avec les caravanes de changement, qui déposent un changement au niveau de route là. Parce que, on a des fois, on a des problèmes avec poussière là. Mais cette fois-ci que tout le monde campait dans la fête Sainte-Anne et le monde entier dans la fête Sainte-Anne et là au vini au genou l'autre couleur. Les mon avenir ici là les années ma paye machine vient là tout j'aime qu'on bien poussière. Mais beaucoup n'y a là ou vient là ou pas poussière ou pas rien grand changement qui fait au vini au genou des campeurs.